territoire de Sully, avant de passer la parole à la présidente de la communauté de communes. Depuis très longtemps à Sully-sur-Loire, nous travaillons pour les jeunes, nous avons des activités régulières. Déjà, nous avons à peu près une centaine d'associations, et ce qui fait que les jeunes peuvent aller s'inscrire dans certaines associations, et c'est ce qui se passe. Mais malgré ça, il y a quelques jeunes qui sont encore en dehors des associations et que nous occupons depuis très longtemps sur Sully, que ce soit au niveau du sport, au niveau culturel. Et maintenant, la compétence étant passée à la communauté de communes de Val-de-Sully, c'est donc la présidente ici présente qui s'occupe avec ses vice-présidents de cette animation. Voilà, donc on a une action qui va en faveur des jeunes, des actions d'animation, le mercredi, le week-end et pendant toutes les petites vacances et également les grandes vacances. Alors ce sont des journées d'animation. Il y avait des thématiques qui tournaient à partir d'Halloween ou autour de ça. Mais on a aussi des sorties hors territoire, des sorties Acrobranche, les Airgames, Ligne, Printemps de Bourges, et puis également des sorties familiales. Parce qu'on veut associer les parents, bien sûr, à toutes ces sorties. Ma qualité de préfet, c'est un représentant de l'État dans le département et la région. Je viens aujourd'hui ici sur le terrain pour justement voir comment se met en place toute cette politique en faveur notamment de la jeunesse à travers ce qu'on appelle le contrat de ville. Voilà. Et donc ce qui me frappe, c'est ici la profusion des initiatives qui sont prises en faveur des jeunes, des moins jeunes aussi. Hein, voilà. Et c'est tout ce qui converge vers finalement la fraternité. Voilà, c'est ça la valeur essentielle qu'on veut promouvoir, hein, faire de la fraternité, non pas une espèce de concept, mais une réalité de tous les jours. Voilà, c'est ça l'objectif. Et je trouve, à travers ce que j'ai vu là, cet après-midi, que la fraternité est bien en marche. Voilà.